It's a big tree and there are cables in it and they take energy from all sorts of elements, so like air or the moon or the sun. And these would go all around the city or the village. And then, yeah. Et j'aime bien ce genre de tour parce que c'est un petit peu décomposé et j'aime bien l'air décomposé. Et ça me fait penser à quelque chose de futuriste. Peut-être que ça existe déjà à Dubaï. Ça, c'est l'herbe. Il y a des arbres. C'est un animal. Et une corde électrique. Et un ciel rose. Donc j'ai dessiné une super-héroïne parce que de loin, ça peut faire comme si elle volait dans le ciel et donc... بغيت ندير شي حاجة اللي كانت زوينة واللي نقدروا نشوفها من بعيد وفي الليل نقدروا نديروا الشمع وكل شيء نشوفه من بعيد هذاك الشيء برا Ho fatto dei pali, dei fili elettrici. L'eau, il soleil, la pluie, okay. Et les petites gouttes. C'est les fils électriques qu'on a vus sur les panneaux, avec un monsieur comme on a vu, le c'est tout. J'ai dessiné les pylônes électriques en forme d'arbre. Parce que enfin, ça se marie plus avec le paysage. Donc j'ai fait des pylônes en forme de rond et à l'intérieur j'ai mis quelque chose de végétal, enfin comme un mur végétal et en dessous des bancs pour qu'on puisse s'asseoir dessus quand il pleut ou quoi. Eh ben, j'ai dessiné un smiley parce que j'aime bien les smileys. J'ai fait une forme géométrique parce que j'aime bien les formes comme ça. Donc. I don't really like the normal ones. I went for the general look of a normal one, but there's something that I changed on it. I think it probably looks better if they were painted. And also, I think it's not good if they would have posters or something on there. Makes it all stripy with a butterfly on the top. Ce sont des sortes de grands trucs pour que l'électricité va dedans et comme ça elle va dans toutes les maisons. Et je trouvais ça cool de faire des fleurs comme ça. Pour moi, si l'environnement est moins polluant, la nature serait plus verte et il y aurait plus de plantes et le ciel serait plus bleu, pour moi d'un point de vue physique. Et j'ai dessiné un cœur pour représenter l'amitié qu'il y a dans le monde. Ce serait un pylône plutôt avec quatre façades, avec des dessins créatifs. Et comme ça, ce serait déjà beaucoup plus joli que des pylônes en métal